Bonjour et bienvenue sur la vidéo. Donc dans le cadre d'une série de tutoriels consacrée à Ubuntu, je vais vous montrer comment on installe un logiciel. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes. Je vais partir de la plus simple et terminer par la plus compliquée. Donc la plus compliquée, c'est via une console. Donc vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait partie d'une série de vidéos. Et j'aimerais vous présenter un peu le plan que j'ai prévu de suivre. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur l'installation d'Ubuntu. Il y a des vidéos sur la découverte et enfin des vidéos sur une utilisation plus avancée. Donc aujourd'hui on se situe ici, on apprend à installer un logiciel. Donc si vous êtes sur Wecast, Dailymotion ou Vimeo, je vous conseille de consulter mon profil et de regarder les autres vidéos, ça peut vous être utile. Donc avant de commencer à parler des techniques pour installer un logiciel, j'aimerais faire un peu le rapport entre Windows et Ubuntu au niveau des logiciels. Parce que niveau, c'est complètement différent en fait. Sur Windows, concrètement, lorsqu'on veut installer un logiciel, on va sur Google, on tape VLC par exemple, qui est le nom d'un logiciel. On va sur un site, on télécharge un fichier exe. Une fois que c'est téléchargé, on double-clique dessus, on fait suivant, 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 et on installe le logiciel. Sur Ubuntu, c'est complètement différent. Sur Ubuntu, en fait, les logiciels sont centralisés sur un même endroit, sur un serveur officiel, qu'on appelle des dépôts. Et en fait, on va récupérer les fichiers sur ces dépôts via une Logitech. Donc, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est mieux au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que les dépôts sont sûrs, étant donné qu'ils sont officiels, ils sont contrôlés. Par conséquent, les logiciels qui sont présents là-dedans, ils sont bons, quoi, il n'y a pas de virus dedans. Et le deuxième avantage, c'est pour les mises à jour, qui est une particularité en fait d'Ubuntu, c'est que lorsqu'on veut mettre à jour Ubuntu, en fait, il y a tous les logiciels qui se mettent à jour en même temps. Donc ça s'explique par le fait que tous les logiciels sont sur des dépôts officiels, donc c'est beaucoup plus facile pour télécharger les mises à jour. Et d'ailleurs, on appelle en fait, on a la notion de paquet. Dans Ubuntu, donc en fait on appelle un paquet une archive comprenant des fichiers informatiques, les informations et les procédures pour l'installation d'un logiciel. Donc en fait, pour faire simple, un paquet ça vaudrait en fait le fichier exe de Windows. Donc voilà, c'est la petite parenthèse avant de commencer, c'est quelque chose qui est bon à savoir pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc la première méthode pour installer un logiciel, c'est via le navigateur internet. La plupart du temps, lorsqu'on recherche un logiciel, on va sur la documentation officielle et on recherche ici via des mots-clés. Donc, par exemple, je veux un logiciel qui va me permettre de modifier des fichiers son. Ben, qu'est-ce que je tape? Je tape son là-dedans sur la documentation officielle et la plupart du temps, il y a des pages avec des documentations en fait, et dedans généralement il y a des noms de logiciels. Donc là vous avez plein de choses et vous avez des liens vers audio, donc j'aurais peut-être dû taper audio, et vous remarquez qu'il y a plein de catégories. Donc par exemple ici j'ai Audacity. Donc Audacity, c'est un logiciel qui permet de modifier en fait des fichiers audio. Et généralement, lorsque cette documentation, en fait, il y a une partie installation et il y a un lien ici qui est un peu spécial. Donc on le reconnaît avec la petite icône qui est à côté ici. Et en fait, lorsqu'on reste sur ce lien, c'est marqué apt, l'URL en fait, c'est apt://audacity. Et lorsqu'on clique là-dessus, ça lance une fenêtre, donc apt-url, on fait OK et ça nous propose d'installer un logiciel. Donc si on fait description, on aura une petite description. Lorsque je clique sur installer, il va me demander le mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on n'échappe pas. Pour installer un logiciel, il faut obligatoirement être en mode administrateur, et pour être en mode administrateur, il faut entrer le mot de passe. Donc je tape au mot de passe, je fais valider et vous remarquez que les fichiers se téléchargent. Donc on peut afficher les détails et le logiciel s'installe.
Donc vous remarquez que c'est pas très compliqué. Donc là il y a les lignes de commande. Donc vous pouvez l'afficher en cas de problème, ça peut vous donner des informations qui sont assez utiles. Et une fois que c'est terminé, c'est marqué que les modifications ont été appliquées, vous faites fermer. Il y a tout qui se ferme. Et vous allez dans Application, Son et Vidéo, et vous retrouvez votre logiciel qui a été automatiquement mis dans la catégorie adaptée. Donc ça, c'est une première méthode d'installer un logiciel. Donc vous remarquez que c'est très simple. Si vous avez un problème au niveau en fait d'ici, lorsque vous cliquez en fait et que il ne vous propose pas en fait apt-url ici, il faut regarder la documentation officielle, taper apt-url pour avoir des infos. Donc voilà, si ça ne marche pas en fait, il faut aller là-dedans. Donc là, c'est la petite parenthèse. On a une autre méthode pour installer un logiciel. J'ai fait une bêtise, pardon. C'est via en fait application ici en haut. Donc je peux fermer Firefox sans le réduire. C'est via application et la Logitech Ubuntu. Et voilà. Et comme ceci, on peut installer un logiciel. Donc en fait, la Logitech, c'est pratique. Étant donné que c'est une interface graphique, donc si vous remarquez que c'est assez simple à comprendre, c'est organisé en catégories. Et lorsqu'on recherche un logiciel spécifique, on tape dans la catégorie qu'on veut, éducation par exemple, et vous avez une liste de logiciels, donc les plus connus. Ils ne sont pas tous dans la Logitech ici. C'est en fait la Logitech, en fait, c'est une manière simple de découvrir les logiciels en fait. Donc vous remarquez que c'est très simple. Si on recherche un logiciel de bureautique mais qu'on n'a pas le nom exact, la Logitech est assez sympa dans ce sens-là en fait. Donc par exemple, je vais dans bureautique. Si je recherche un traitement de texte, vous remarquez qu'ici, AB Word ferait l'affaire. Donc vous avez plus d'infos et vous cliquez sur installer pour l'installer en fait. Donc il vous demande toujours le mot de passe. Donc je ne vais pas l'installer parce que j'ai pas envie là. J'ai déjà un logiciel de traitement de texte. Mais vous remarquez que c'est très simple pour installer un logiciel via la Logitech. Donc il faut savoir que dans la Logitech, qui est accessible via application et Logitech Ubuntu, il n'y a pas tous les logiciels. On va dire qu'il y a les plus connus et les plus utilisés. Donc en fait, pour moi, c'est une manière simple pour les débutants de découvrir des logiciels. La troisième méthode qui est légèrement plus compliquée, c'est via le gestionnaire de paquets. Donc ça ressemble à la Logitech. Donc c'est accessible via Système, Administration et Gestionnaire de paquets Synaptique. Et en fait, on a pratiquement tous les logiciels. Donc vous remarquez que l'interface est beaucoup moins pratique, on va dire. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de petites icônes, tout ça. Et en fait, là-dedans, il y a tous les logiciels. Donc vous remarquez qu'il y a toujours les catégories sur la gauche. Donc par exemple, dans Graphisme, si je clique ici, vous remarquez qu'il y a des petites icônes vertes ici. Donc les cases qui sont cochées en vert, c'est ceux que j'ai déjà installés. Et si je clique sur la petite case verte, il y a un menu qui se déroule. Je peux le sélectionner pour faire une réinstallation. Je peux le supprimer et le supprimer complètement. Voilà. Donc je vais par exemple... Et les cases qui ne sont pas vertes, c'est les logiciels que je n'ai pas encore installés. Donc si je clique, je peux l'installer comme ceci. Donc je vais essayer de prendre un exemple. On va installer quelque chose, création de texte. On va installer ça par exemple. Donc je clique ici, sélectionner pour une installation. Là vous remarquez qu'en fait, à installer, il va m'installer tous ces autres programmes. Donc pourquoi les installe? Parce qu'un logiciel, il a besoin en fait de dépendance. C'est-à-dire que pour fonctionner, il aura besoin d'autres logiciels. Et ça, Ubuntu le gère très bien. Il le fait automatiquement. Donc par exemple, pour installer un logiciel comme Firefox, il aura besoin d'autres logiciels, donc par exemple un interpréteur qui va comment dire, transformer le code HTML en image, quoi, enfin pour le transformer, quoi. Il aura besoin d'un tas d'autres logiciels pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle les dépendances, Ubuntu gère très bien, donc là vous remarquez que ce logiciel ici, pour fonctionner, il aura besoin de tout cela. Donc on n'a pas tellement le choix, il faut accepter.
Donc ajouter la sélection et automatiquement vous remarquez que tout s'ajoute. Donc c'est très pratique pour ça. Et là par contre, faut pas faire l'erreur, c'est que là pour l'instant il n'y a rien qui est installé. Il faut cliquer sur appliquer. Ici en haut, vous avez un petit résumé et vous faites appliquer pour installer en fait tous les logiciels. Donc là vous avez 29 paquets qui vont être installés. Et vous avez la taille, tout ça qui sera utilisé. Donc là, étant donné que c'est assez conséquent, je ne peux pas le faire en vidéo. Ça risque de prendre trop de temps. Donc vous faites appliquer, vous mettez votre mot de passe et les logiciels s'installent. Donc voilà, ça c'était via le gestionnaire de paquets. Donc vous remarquez que c'est assez similaire à la Logitech, mais que la Logitech en fait elle est un peu plus agréable à utiliser. Donc je vais fermer ça, quitter. Et la troisième méthode qui est en fait la plus compliquée, c'est via la console, donc en ligne de commande. Donc pour accéder à la console, il faut aller dans Applications, Accessoires et Terminal. Vous avez le terminal. Et pour installer un logiciel, en fait, il faut taper une commande qui est toujours la même, qui va être sudo. Donc sudo, en fait, c'est pratique pour, en fait, c'est pour se mettre en mode administrateur, sudo. Ensuite, on tape apt-get. Donc vous reconnaissez le apt. On l'a déjà croisé lorsqu'on faisait une installation via Firefox dans l'URL ici. Vous avez apt audacity. Donc vous tapez sudo apt-get install et vous tapez le nom du paquet. Et vous faites entrée. Donc par exemple, je vais taper ça, il va me retourner une erreur parce que ça n'existe pas. Je fais entrer, là vous remarquez qu'il me demande le mot de passe, donc il faut que je tape le mot de passe. Donc là je suis en train de taper le mot de passe, mais vous remarquez qu'il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, il n'y a pas de petite étoile, il n'y a rien du tout. C'est normal, il faut faire entrer. Là vous remarquez qu'il me retourne une erreur, impossible de trouver le paquet, parce que non, c'est normal étant donné que j'ai pas mis un vrai nom de paquet. Donc je vais installer quelque chose que je n'ai pas. Donc qu'est-ce que j'ai pas? On va trouver un logiciel. Donc par exemple AbbeyWord, voilà. AbbeyWord que je voulais tout à l'heure. Donc si je veux installer AbbeyWord, il faut que je tape sudo apt-get install et à la place de marquer nom paquet, je tape AbbeyWord. Donc il y a une petite astuce qui est assez sympa. C'est que par exemple si vous tapez juste Abby et vous cliquez deux fois sur la tabulation avec le clavier, il vous propose en fait une liste de noms qui seraient possibles. C'est ce qu'on appelle l'auto-complémentation. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ça se complète automatiquement en fait. L'auto-complémentation, je ne sais pas quoi, donc je vais rechercher. Je connais pas le nom exact. C'est un nom un peu coché dehors, c'est l'auto-complétion. Voilà, auto-complétion, ça doit être ça. Ça s'appelle comme ça. Donc excusez-moi, je ne connais pas le nom exact. Donc en fait, ça va automatiquement vous proposer tous les noms de logiciels qui commencent par Abby. Et ça en fait, c'est valable à chaque fois qu'on fait quelque chose en ligne de commande. C'est-à-dire par exemple, si j'ai oublié apt-get, si j'oubliais ce qu'il fallait marquer après apt-get, si je fais deux fois sur tabulation, vous remarquez qu'il me propose toutes les options possibles. Donc ça, c'est une petite astuce qui est assez sympa. Donc là, vous remarquez que j'ai install ici. Si je marque le i de install et que je fais deux fois sur tabulation, il complète automatiquement. Donc là, je vais taper AbbeyWord. Donc AbbeyWord. Donc ça, c'était la petite astuce. Hein. Donc une fois que j'ai tapé ça, donc là, vous remarquez qu'il ne me redemande pas le mot de passe étant donné que j'ai déjà marqué il n'y a pas longtemps. Donc en fait, il le retient un peu en mémoire. Là, vous remarquez qu'il y a un tas de... Il y a des descriptions, donc c'est du français. Hein. Et là, en fait, il y a tous les logiciels qui vont être installés. Et là, vous remarquez ici qu'il vous demande votre avis. Donc, il nous dit qu'après l'opération, il y aura à peu près 40 mégaoctets d'espace disque qui seront utilisés. Ensuite, vous continuez, O majuscule et N. Donc, en fait, le O majuscule, c'est pour oui. Et le N, c'est pour non. La majuscule, en fait, c'est si on met rien quand on tape directement sur entrée, ça sera le choix par défaut. Donc là, si je fais entrée, vu comme le O est en majuscule, ça sera oui par défaut. Donc on va mettre O. Et vous remarquez que
différents paquets se téléchargent en fait. Et le logiciel s'installe. Donc là, franchement, il met pas mal de lignes de commande, enfin, il met pas mal d'informations. Concrètement, c'est pas très utile. C'est utile si un jour vous avez un problème, si un jour un logiciel ne veut pas s'installer, c'est pratique de voir là-dedans ce qui cloche en fait. Mais sinon, tout ce qui défile là, honnêtement, on s'en fout, hein. C'est seulement utile lorsqu'on veut trouver ce qui va pas. Donc là, vous remarquez qu'il y a plein de trucs qui défilent. On va attendre un peu et le logiciel va s'installer. Donc ça, en fait, c'est la méthode la plus compliquée. Donc vous remarquez que c'est pas super non plus compliqué. Enfin, c'est la plus compliquée parmi les autres méthodes que je vous ai présentées. Mais personnellement, c'est celle-là que je préfère, étant donné que c'est beaucoup plus rapide que de passer par la Logitech et de trouver le logiciel, etc. Donc là, c'est terminé. Et normalement, si je vais dans application bureautique, j'ai AbbeyWorld qui apparaît. Donc ensuite, j'aimerais vous présenter comment on supprime un logiciel en ligne de commande. Parce qu'on a vu comment supprimer un logiciel via le gestionnaire Synaptique en cliquant sur la petite case et en choisissant désinstaller. Mais en ligne de commande, vous allez voir que c'est pas très compliqué non plus. Donc on commence toujours par sudo apt-get, mais à la place de mettre install ici, on va mettre auto-remove. Donc pourquoi auto-remove et pas remove, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais? Avec remove, ça marcherait aussi. Donc remove, ça veut dire supprimer. Donc en fait, le auto-remove va supprimer le paquet et ses dépendances, tandis que le remove va seulement désinstaller le paquet. Donc c'est beaucoup plus intéressant de supprimer le paquet plus ses dépendances. On va dire que la désinstallation sera plus clean, on va dire. Elle sera plus propre. Il n'y aura pas de paquet inutile en fait. Donc sudo apt-get auto-remove. Ici on peut ajouter un paramètre qui va être deux petits tirets purge. Donc le deux petits tirets purge, en fait, ça va supprimer les fichiers de configuration liés au logiciel. Donc là, encore une fois, c'est pour avoir une installation, enfin une désinstallation qui va être plus propre. Ne pas se retrouver avec des fichiers inutilisés, en fait. Et ensuite, il faut que je mette le nom du paquet. Comme ceci. Donc là, par exemple, je vais mettre AbbeyWorld. Et je fais entrer. Et là, vous remarquez qu'il propose toujours... Enfin, il nous demande toujours notre avis, quoi. Donc là, il me dit qu'il y aura 100 mégaoctets qui seront libérés. Le haut majuscule se dit choix par défaut. Donc là, si je tape sur entrée directement sans mettre de lettres, ça sera oui par défaut. Et là, vous remarquez qu'il supprime tous les logiciels qui sont liés à AbbeyWorld. Mais si un autre logiciel utilise une dépendance d'AbbeyWorld, il ne va pas la supprimer. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de trucs qui apparaissent à l'écran. Là, ça défile. Pour les débutants, ça peut faire peur, quoi. Enfin, ceux qui sont habitués à Windows, ils n'ont pas trop l'habitude de ça. Mais honnêtement, tout ce qui défile, c'est pas super intéressant. C'est intéressant si on a des problèmes, comme je vous l'ai dit. Donc on attend que ça s'effectue. Et voilà, c'est terminé. Donc on a vu les principales méthodes pour installer un logiciel et désinstaller un logiciel. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionnait avec un système de dépôt. Je vais faire une petite parenthèse sur les dépôts. Il arrive que certains logiciels ne soient pas dans les dépôts officiels, qu'ils soient dans des dépôts qui sont non officiels. C'est le cas par exemple des logiciels qui sont propriétaires, on va dire. Et pour les installer, il faudra ajouter un dépôt. Pour ajouter un dépôt, il faut aller dans Système, Administration, non, Préférences. Et il y a quelque chose qui s'appelle Source de dépôt. Donc il faut que je retrouve. Voilà, Source de logiciel. Donc Système, Administration, Source de logiciel. On clique. Normalement, il demande le mot de passe. Et ici, dans Autre logiciel, vous avez des dépôts. Donc par exemple, je vais taper dans la documentation officielle dépôt.
Donc en fait, voilà, un dépôt, créer un dépôt, faut que je trouve un dépôt. Donc en fait, la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on veut un logiciel, on va sur la documentation officielle et on regarde un peu ce qui nous conviendrait. Il arrive que le logiciel ne soit pas dans les dépôts officiels. Généralement, c'est précisé dans la documentation, ici. Donc par exemple, montage vidéo. Les logiciels de montage vidéo. Enfin, il y a un logiciel de montage vidéo qui n'est pas dans les dépôts officiels. Donc il faut que je retrouve. Voilà, c'est une règle. Voilà. Donc par exemple, ce logiciel-là, de mémoire, il n'est pas dans les dépôts officiels. Donc vous remarquez que ici c'est précisé via le dépôt Akirad Ubuntu 9.10. Donc là, en fait, il propose d'installer, de mettre le dépôt en installant un paquet. Mais normalement, pour mettre un dépôt, en fait, on passe par la source logicielle ici, on fait ajouter et on colle en fait le lien du dépôt qui correspond. Donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est pas. Généralement, on n'a pas besoin de le faire ça, parce que la plupart des logiciels qu'on a besoin, en fait, ils sont dans les serveurs officiels. On n'a pas besoin de mettre des dépôts tierces. Donc là, c'est juste une petite parenthèse. Donc j'espère que vous avez compris un peu le principe. Si un jour vous avez un problème, en fait, qu'ils aient besoin de mettre ça dans un autre dépôt, c'est par ici qu'il faut passer. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse. Ça complique les choses, je suis désolé, mais il fallait que je le précise. Donc voilà. À part ça, le logiciel est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Donc si vous êtes encore sur Vidcast, Dailymotion ou Vimeo, je vous conseille d'aller voir mon profil, il y aura d'autres vidéos. Je ferai certainement un article sur le blog, tutorielvideo.fr, ici. Et puis, bonne chance à vous.